Get out my phone, bad vibes. Sorry, said she attracted to bad guys. Only thing that matter, Lily, back lives. Take her to the block just to see the trap vibe. We don't need the money, you trying to be my wife. You broke and you 30, just go, we start lying. You think he can finesse me cause I'm being nice. If he ran down on me once, then he won't do it twice. Anytime I pop out, gotta show out. I'm usually trapping, I don't like to go out. All this drip, better not be your hoe out. I take me a vacay, you might see my toes out. Hiding from the cops, heart beating like a drum. She rather fuck me, most of the time I make her come. And she told me she was safe, had me thinking she enough. Et salut à tous, c'est Chris Boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, nous allons faire le contrat de QG qui s'appelle Trafic d'armes. Donc il nous dit, recherche équipe pour s'inviter à une vente d'armes et amener la marchandise à un acheteur. Pas pour les cœurs fragiles, paiement en liquide à la livraison. Donc n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et c'est ce les potes, let's go. Donc bien sûr, je dois choisir quelle moto que je voudrais faire pour faire cette magnifique contrat. On va prendre la Couture Drag, let's go. Donc il nous dit de rejoindre le lieu de transaction. Donc nous sommes arrivés à destination avec la Couture Drag. Donc ok, donc il faut tuer tout le monde comme d'habitude. On va prendre le magnifique sniper et c'est parti pour tuer du monde. J'ai raté ma balle, j'ai raté l'autre balle, c'est pas normal. Oh, j'ai raté encore des balles. On va faire une autre manip parce que ça commence à me saouler. J'ai tué personne avec la grenade. Et on va prendre la mitraillette parce qu'il y a trop de monde qui vient vers moi. Ok, let's go. Bon les gars, j'ai raté des balles pour mon sniper parce que je viens de démarrer mon GTA 5 et j'ai lancé directement le contrat de QG. Donc voilà. Donc je suis pas chaud à 100% pour le moment. Mon gars, le fail que j'ai mis, c'était incroyable. Donc il faut récupérer la mallette pour le mettre dans le camion. On récupère le premier. On met dans le camion. Hop là. On récupère le deuxième. On récupère le troisième. On récupère le quatrième. Et on récupère le cinquième. Donc oui, il y a 5 mallettes à récupérer. Donc voilà. Donc ok, donc on doit faire 8 km avec cette bolide. Mode what the fuck bro. Bro, comment le véhicule est incroyable. Waouh. Ok, oula, par contre les suspensions, on peut dire que ça fonctionne avec ce véhicule. Oh my god. Donc bien sûr, j'ai remarqué que cette porte ne ferme pas. Donc c'est vraiment incroyable. Il y aurait des ennemis comme d'habitude. Oh shit. Oh, ça tourne hein. Ça tourne vraiment mal hein. Mais ça tourne mais vraiment vraiment mal. Oh, waouh. Non. Oh my god. Calme. On va livrer. Putain, mais c'est quoi, wesh? Ah, c'est une arbre qui se pète pas dans GTA 5. Après 10 ans de présence, Rockstar n'a jamais mis cette option que les arbres se pètent ou des petites branches qui se cassent. Non. Dans GTA 5, les arbres sont en béton, voire en métal. C'est impossible. Même en tank, tu te prends un tank sur l'arbre, c'est le tank qui est en alerte rouge là. Frère, le véhicule est tellement lent. Ah ouais, c'est incroyable hein. Bon, le fait que c'est doublé cette semaine, je vais voir en même temps combien d'argent je vais toucher. Et comme ça, vous aurez un peu d'idée en tête de savoir combien d'argent ça vaut pour les contrats de QG. Donc moi, je dirais dans les 46 000, voire 50 000 dollars. Donc on va bien voir lorsqu'on va livrer le véhicule à destination. Donc voilà. Ok, la descente. Enfin une descente pour accélérer le véhicule. Accélère ce bolide. Waouh, non. Doucement. Waouh, ça c'est un chauffeur. Ça c'est un chauffeur. Quoi? Mec, je me suis pris un mur invisible. Wesh. Ok, d'accord. Hein, pourquoi pas. Hein. Ok, le jump. Le deuxième jump. Wouhou. Let's go. Oh là là, mais le véhicule est dégueulasse, frère. C'est incroyable, hein. Moins que faire un sacré dérapage. T'as l'impression que le véhicule scotche à la route, hein. Il scotche, mais il a vraiment du mal à scotcher la route, hein. Mais bon, c'est pas grave. Wouah, shit. Après, l'avantage des potes, c'est que dans les contrats de QG, voire même les missions de vente, etc.,
Le temps sera toujours dans les 29 minutes. Voilà, ça va dépendre du point. Mais franchement, vous avez largement le temps de faire la mission. Hein. Vous avez vraiment large temps. Hein. Mais bon, il faut avoir le QG pour faire les contrats de QG, tout simplement. On va livrer ce bolide. Ah ouais, je dois passer comme ça. Ah, je peux pas péter ça. Ah, dommage. Bon, je voulais faire un truc rapide, mais ça flop. Ça flop. Ok, je suis arrivé. Combien d'argent? 38 000 dollars. Ah ouais, c'est rien en termes d'argent, frère. Oh là là. Bon. Ben voilà les potes, vous savez à environ combien d'argent on peut avoir avec le contrat de QG doublé. Donc on va dire entre 38 000 et 50 000 dollars. Mais bon voilà quoi, c'est pas très foufou. Mais comme on dit, vaut mieux que ça que rien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était le contrat de QG de trafic d'armes. Donc n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. C'était Chris Boy Gaming. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et ciao ciao.